Bonsoir, Data, coole Data. Heute haben wir einen Künstler aus Südfrankreich, aus Montpellier, Boris Bousquerolles. Boris, Sie sind Schriftsteller und Regisseur, vous êtes écrivain et metteur en scène. Können Sie ein bisschen so kurz erzählen über Ihr Leben, Ihr Lebenslauf? Vous pouvez un peu expliquer en quelques mots votre communauté. Merci beaucoup à tous d'être ici ce soir. Donc je suis au départ réalisateur vidéo et je me suis lancé dans l'écriture d'un roman il y a 5 ans de ça, un roman sur le thème de la réalité à Berlin. Vielen Dank, also im Theater, wie gesagt. Ja, also ich bin seit 5 Jahren Schriftsteller geworden. Ursprünglich war ich Künstler, also Videokünstler. Als ich in Berlin war, habe ich angefangen, meine Erlebnisse auf Papier zu schreiben. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre démarche sur l'écriture? Können Sie ein bisschen erklären, was Sie da als Schriftsteller erlebt haben? Le thème du roman est la réalité, et à Berlin, pendant 30 ans, il y a eu deux réalités antagonistes, séparées par parfois 500 mètres, qui se sont développées. Also das Thema in Berlin hat mich sehr beeindruckt, das Thema der Realität. 30 Jahre lang waren zwei Realitäten nebeneinander und das wollte er einfach aufschreiben. Le roman raconte l'histoire d'un jeu vidéo qui lui aussi va déborder sur la réalité. Der Roman, es geht um ein Videospiel, was zu einer bestimmten Realität endet. Et le projet qu'on a mené ici pendant 10 jours, c'était de continuer dans cette voie-là et de faire déborder le roman dans la réalité de Berlin. Und mein Roman, also wir haben hier in Berlin 10 Tage lang gearbeitet und wir haben also der Inhalt vom Roman, diese Fiktion, zur Realität gebracht, 10 Tage lang hier in Berlin. Et le roman se passe à Berlin, c'est ça? Oui, le roman se passe à Berlin. Also le roman ist in Berlin stattfindet. Et donc je suis venu avec 8 artistes français pour faire ça, 8 néandertaliens, 8 sous-hommes, on est en fait des hommes lions. Des hommes lions. On est des hommes lions dans Berlin. Also wir sind acht Künstler aus Montpellier, die Gruppe ist ein... Willkommen. Wir sind also Untermenschen, Neandertaler. Wir sind Löwenmenschen. Donc, ce qu'on voulait faire, en fait, c'est que des personnages de Roman, die Charaktere auf der Suche nach Realität. J'avais besoin de te voir, maman. Je voulais penser à toi, maman.
Garde le moral, maman. Oui, garde la morale. Elle n'a pas survécu à la vente de sa maison. Elle s'est laissée dépérir pendant 3 semaines et puis elle est morte. Thank you.
l'usine humaine.
culture d'un Français hors du commun, un adolescent sans histoire de 16 ans, présenté comme un fils modèle, avait tué ses deux frères. Meurtre d'une jeune femme de 26 ans, retrouvée derrière le canapé de son appartement, d'une fillette de 5 ans découverte dans le congélateur, tandis que dans le réfrigérateur se trouvait le corps sans vie de la fille du couple, un bébé de 3 mois. Restez avec nous, assumez le régime, attention, danger. This world is crazy, but I'm proud of! Thank you.
pas.